Et on se retrouve avec Kika pour l'épisode 15 du Let's Play de Terraria en coopération. T'es un peu dark. Okay. Donc là, nous avons eh bien, une petite lune de sang qui est déjà bien avancée. Donc si vous savez pas ce que c'est la lune de sang, eh bien c'est une nuit... Allez vous faire foutre. Voilà, exactement. Où il y a plein d'ennemis. Beaucoup plus d'ennemis que la normale. Et ils sont d'une agressivité sans pareil. Donc... ouvrir les portes, ouais, c'est ça qui est un peu chiant aussi. Du coup, on est obligé de barricader la maison. Voilà, c'est mon truc de la viscère. Du coup, je propose qu'on aille... vers la jungle et qu'on se craft en même temps notre épée super lolilol. De barricade alors. Et qu'on essaie de buter ensuite. Ah ouais, non, mais ce qui est drôle, c'est que. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'elles sont pas sur moi. De quoi? Elles sont pas sur moi, les épées. Elles sont où? Dans notre perso. Pourquoi t'as changé? Pourquoi t'as fait ça? Je sais plus. Je sais plus pourquoi j'ai fait ça. Ah, bravo, ouais. Ah, mais parce que je les avais foutus dans un coffre. Sur notre partie. Ok. Je vais les mettre là. J'ai plein d'armes. Oui, j'ai une banane. Ah oui, une banane. Avant qu'on parte, je vais combiner deux petits objets. Enfin, trois petits objets. C'est-à-dire les bottes de la mort qui tue. Parce que. Il y a une petite combinaison dont je n'étais pas au courant avant. C'est-à-dire qu'on peut maintenant combiner le bracelet du vent, l'embout de lacet et les bottes spectrales pour faire les lightning boots qui fait plus ou moins les trois effets en même temps. Ce qui est assez intéressant. Et du coup, je vais mettre une manie blindée pour avoir pas mal, 4 de plus en défense, ce qui va me faire 30 de défense, ce qui est déjà pas mal. Les cotons. Exactement. Merde, putain, je voulais parler au perso, j'ai viré une torche. Du coup, est-ce que je peux reforger? Combien ça coûte de reforger ces bottes-là? Oh, bon, bah pas tout de suite. Hein. C'est cher. 15 d'or. Ouais. Je pense que je vais booster. Oh là là là. Oh là là. Oh là là. Ah bah j'ai plus d'argent. Bon bah c'est cool. J'ai eu le même truc. J'ai plus d'argent. Ouais. Ah ouais. J'aurais dû en garder pour l'arme. Tant pis. Attends, donc attends, je prends mes trucs, moi. Bah, c'est où? C'est ça. Ouais. Les perdantes, le fléau de lumière, la lame de l'herbe et mon ramaza. Ouais, non, mais c'est pour me craquer les lightning boots. Ah. Au bout de C, le bracelet du vent et les bobottes. Hurry, my friend! Hurry! Et d'où le truc? Ici. C'est bon. Bam. Vous y allez? Ah oh bah les lignes s'est arrêtée, je peux virer là. Ouais. Le bordel. Bonjour monsieur, c'est pour Reforge. Bon bah je vais prendre. Attends, bah y a du beau stuff là je crois. Vas-y va. Zombie arm. Ouais. Donc j'en ai profité aussi pour faire, entre deux épisodes, une méga, super, ultra plateforme dans le but de se déplacer. Donc c'est une plateforme qui va, c'est-à-dire à droite, qui va jusqu'au donjon, donc je me suis bien pété les couilles. Et à gauche, ça va jusqu'au début de la jungle. Eh Mathieu. Dis-y, hein. T'es où? T'es parti? Je suis au-dessus. Tu devrais te remettre en bleu, je crois que t'es pas en bleu. Ah non, c'est moi? Ah non, c'est toi. Mais t'es loin. Aria. J'ai un bras de zombie. C'est nul. Tiens. Waouh. Où est-ce que Sam l'a mis? Sam l'a mis où? Ah, il est là. Zombie arme, pieux. C'est moche comme tout. Ouais. On peut pas tout avoir. J'en veux pas de ton truc. Rends-le-moi. Par contre, ce serait bien qu'on y a... Attends, faut que je reforge mes bottes. Tes bottes? Ouais. Tu vas reforge les... Ouais. Tu vas niquer ton argent, hein. Tu voulais pas le shark? J'ai un PO... 100 PO. J'ai 170 PO. Mais t'es avec quel perso, là? Allez, viens. Hein?
Tout est dans ma tirelire. Lol. Merde, comment on reforge déjà? Et, oh, casse-toi le slim. C'est impossible tes 170 PO. Je me crois pas. Comment t'as transféré sur des persos là? Ah, trop, tu veux que je monte mes 3 platines sur mon autre perso ou quoi? Parce que, à mon avis, même sans mourir, 170 PO, j'y crois pas du tout. Bah, à mesure où même moi, en vendant plein de trucs, je sais même pas si j'ai eu 50 PO au total. Mais est-ce que t'as vendu tous les cœurs que t'as trouvé offline aussi? Donc, il y a le cas typique du mec qui joue en solo, en dehors du let's play. Lol. Grillé. Lol. Bah j'ai joué avec Camille quoi hier. Bah bravo hein. Bon bah elles me font plus 20 de mana mes bottes. C'est déjà pas mal. Alors, où est-ce que... Ah merde, c'était le trou qu'il y avait ici, que j'aille combiner... Tu parles de trou, quoi. Que j'aille combiner l'épée. Donc pour combiner cette fameuse épée, il faut aller à un hôtel démoniaque. Tac, on laisse un petit feu, même si on a des bottes. Alors, un petit hôtel démoniaque. Attention, fils des ténèbres. Boum. Je voulais dire fils de pute au début. Mais pas vrai. Pourquoi je suis pas de ce bord là. Bon bah j'arrive. C'est quoi l'effet en moyenne 42%. Ok. Mais j'ai pas l'impression que ça change grand chose. Hein. De quoi? Permet vol, le porteur pour... Ouais, c'est juste que tu cours un peu plus vite quoi. Ouais. Oh, c'est toujours ça de prix hein. Ouais. Putain, faut que je fasse gaffe parce que là j'ai pas mon armure load. Ah, bon. Tac. Moi j'ai une épée et tout ce qu'il y a de plus banal là. T'as aucun buff dessus? Aucun buff. Aucun malus, aucun buff. Ouais, pareil. Eh bien, je t'attends. Eh bien, j'arrive. Mais que canon de l'eau faire. Ok, tiens, je j'ai une table en bois. Voilà. Je suis pas tout à fait à courant jeu, c'est pas grave. Canon de l'eau faire, Mathieu. Eh bien, nous allons aller dans la jungle. Il faut aller à droite. C'est ça. À gauche. Elle est pas à droite, la jungle? Pas du tout. À droite, c'est le donjon. Ah, j'en souviens plus. Tu veux pas aller... Est-ce que tu penses que je réforge mon arme? Bah pas tout de suite. On va se faire la guêpe vite fait, on va essayer de chercher des cœurs. Ensuite on fera un petit comeback à la maison et on ira dans l'Underworld je pense. Ça me paraît... Pour faire quoi? De quoi? Comment? Ah, l'Underworld, ouais, j'ai compris la corruption. Je suis vide d'inventaire là, ça m'énerve. J'ai l'impression qu'il me manque 30 000 trucs. Je crois que tu es un tout petit peu moins vite que moi, je suis pas sûr. Mais... Non, c'est pareil. De temps en temps, je te vois reculer par rapport à... Ouais, moi je te vois faire des petits sauts en avant de temps en temps. C'est parce qu'il y a une toute petite différence de... Je crois que j'ai un item qui me rajoute... J'ai mon neige en bouteille qui me rajoute 3%. Ça doit être pour ça. Tac. Donc voilà, ça va jusque là, ma petite plateforme. Forcément. Tu veux faire l'abeille, c'est ça? Ouais. Bon, on a pas trouvé de ruche hein, sur cette map, si. Si, si, on en a trouvé deux. T'as une mémoire de merde, là. Ouais. Bonne fois. Ah, c'est parce que t'as joué avec Amy. Mais t'as pas tué Pinky, mec. Ah, là, j'ai pas fait gaffe. J'ai gagné un peu au 50. Ouais. Tu vois que ça monte vite. Surtout quand je joue en solo. Ça te restait ça. Ah bah laisse tomber hein, c'est obligé. Hein. Tac, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on saute direct vers la ruche ou... Bah ouais. Normalement on a largement de quoi la faire hein. Quand même, je pense.
moi j'ai quelques armes de l'Underworld. Bon, je vais descendre sur la droite. Des endroit. Armes de l'Underworld. Allez, truc de fleurs de feu et puis. Une petite intergalactique lolilol. Oh putain, je les ai pas pris. Merde, toujours rien. Ok, je commence à l'avoir sur la carte là. Désolé si vous voyez rien. Hein, je sais que la carte c'est un petit peu embêtant pour voir. J'essaie de m'en passer un peu parce que sinon. Allez, absolument rien. Là, tu l'as mise en plein écran? Ouais, je l'avais mise en plein écran histoire de voir où était à peu près la ruche. Je sais pas où elle est donc je suis. Don de la nature. Alors, il me semble. Ouais, on doit remonter. Ah, merde, putain. Putain, j'ai un chopé un 174 de dégâts là. T'as fait une chute? Ouais. On tarde d'avoir les ailes ou de faire à cheval. Bon, je vais prendre une potion. Elle est où là? D'accord, je vois où elle est la ruche, on est plus très loin. Je vais remettre la carte en. Là, elle est ici. Alors, qu'est-ce que. On y va dedans à l'arrache comme ça et puis on invoque direct. Bah, fais un trou déjà, qu'on se baigne un peu dans le miel. Voilà, ça fait plaisir. Je pense que tu devrais recover avant. Ouais, ouais, j'ai recover avant de la lancer. Est-ce que. Non, j'ai pas de quoi faire en fait, quoi. Ah, c'est le truc de soi. Ok. Bah dès que t'es full, on y va. Je vais faire le ménage un peu vite fait. Parce qu'on risque de devoir se déplacer. Wow. Je sais que c'est un respawn. Je vais faire couler tout le. Je vais rendre bordel. Le truc un peu visible. Histoire de pas combattre dans le noir. Je vais jarter ma potion 52 sauces, sinon ça va me faire des surprises, je sens. Et je vais bouffer le truc que tu m'as passé, le marshmallow, je sais pas quoi. Ouais, j'ai bouffé aussi. C'est un cool, passe. Non. Ah si. Je t'aide à péter ça. Ouais, c'est bon, ça suffit comme ça, je pense. C'est juste histoire de pouvoir se déplacer un peu plus librement. Je rebouffe un marshmallow. Je vais juste faire un truc. Je vais refaire un trou à ce niveau-là. Sinon, faut que je perde de la vie, là. Il y a des petites... Des petites copines. Ok. Oh, saloperie. T'es chaud? Non, attends. Attends. Parce que là, ça va être chiant avec le miel. Ah, oh, puis merde. T'es bon? Ouais, ouais, vas-y. Putain, t'es mal, méga frôlant en dessous là. Non, mais c'est pas grave, il devrait pas nous casser les couilles. Ok. Alors, direct, elle nous fonce dessus. Bon, normalement, on devrait y arriver. Oh putain, le miel quoi. Tire au shotgun. Bah, écoute. Putain, elle bouge trop. Je peux pas l'attaquer avec des armes normales. Elle est passée en dessous quoi. Ah, je regrette pas mes plus 1 de mana là d'un coup. Ah, oh, il prend cher. Elle est bloquée. Putain, y'a un petit machin qui me tape la gueule là. Voilà. Ah. Elle a donné quoi là? T'es quoi toi? Moi j'ai eu du Bottle of Honey. Redonne 80. Je reprends un coup. T'as pas eu d'armes ni rien? Attends, je regarde si j'ai pas droppé quelque chose. J'ai eu le Big N. Ouais. Tu le veux? Comme tu veux. War test. Bah, enfin. J'en ai un autre, logiquement. Mais bon. Tiens, du coup, moi je sais ce que ça fait. Ouah, merci. Ils étaient où? Ça utilise des balles ou c'est infini?
Ah, tu utilises du mana. Ah, j'ai eu ça aussi. Tadam. Coucou. Lol. Et ben, bah, je pense qu'on va, on va continuer un petit tour de, dans le jungle. Y'a pas une deuxième ruche? Bah, la deuxième, j'avais lancé le boss au pif, donc je sais pas s'il respawn, s'il nous bute. Bah, on peut y aller. Okay. Elle est sur la droite, là, faut revenir. Ah, bah, attends, je te suis. Et puis, mine de rien, le big gun, il est puissant. Hein. Ça fait pas beaucoup de dégâts, mais. Vu toutes les petites abeilles que tu lances. Des dévoreurs d'hommes comme ça, en 3-4 secondes, ils sont morts, quoi. Putain, j'ai l'air tellement. Je manque tellement de swag. Mais merde! Putain! Merci! Ça fait du bien quand même d'avoir les bottes roquettes. Ouais. Ça rend le terrain vachement plus praticable. Quoi. Ça casse beaucoup moins la tête. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, je suis passé où? Je suis passé là, je crois. Ouais, c'est bon, c'est ici. Ouais, je la vois sur la main. Je crois pas que ça respawn. Elle a pas dû se barrer. Si. Putain, je vois rien du tout là. Je m'ennuie elle. Bah, si, elle s'est barrée. Elle fuit. Hein. Donc ça respawn pas. Bon bah, on saura. Y'en a pas d'autres, tu vois pas sur ta map. Non. Bah, on a pas tout exploré dans la jungle. Il en reste un petit bout quand même. Attends, je vais foutre la full map. Déjà, il y a un endroit qui est où je ne vois rien sur ma map. C'est tout ce qui est en dessous de nous, là. Enfin, tout ce qui est en dessous de moi. Là. Tout ce qui est en dessous de moi, ça fait une grosse zone. Il y a forcément une cavité ou quoi. Il y a aussi un truc en haut à gauche. Ouais. Bon, c'était quoi le programme après la vie? Essayer de se trouver des cœurs. Ah. En fait, c'est compliqué. Ce serait sympathique. Ouais, c'est sûr. Bah, moi, mes 300 de vie, je les vis plutôt bien. Bah, c'est si on pouvait en avoir plus avant de voir pour engager le Wall of Flesh, quoi. Ce serait bien. Alors, il y a un petit coffre ici. Qui a une griffe sauvage qui rajoute un de défense. C'est qu'il y a un cœur juste en haut de la hauteur. J'avais même pas fait gaffe. Ah bah si tu peux me le donner comme j'ai un peu moins de vie que toi. Ah bah ouais. Ce serait très aimable. Je donne ça. Hop, super, 20 millions de plus. Ça commence à être déjà un peu cool. Ah, il y a notre coffre là. Des bottes d'Hermès. Bon, rien d'intéressant. On prend quand même les bottes. Ah, bah attends, parce qu'il y a un cœur juste là, là. Ah. J'arrive vers toi. Voilà. Ah bah, je les prends. Tac. Les barres machin, je prends les flèches au cas où. La potion de soutenue, je prends le coffre. Donc. C'est quelque chose explorable. T'as pas tout vu? Non, j'ai pas été en bas. Donc je vais tomber comme un gros sac. Il y a encore un coffre. Par contre, je me fais péter les couilles bien sec. Bon, oui, s'il vous plaît. T'as les couilles bien sec? Un flare gun, deux PO, des magnifiques bâtons lumineux, des potions du chasseur. Ah, il y a un coffre ici. Loc de limon. Je vais laisser le loc de bouche, j'en fous. Potion de tir à l'arc. Je vais virer les potions de merde. Je vais prendre des grosses potions. Ça fait quoi les potions de tir à l'arc de là? Ça booste les dégâts. Des flèches de 20%. C'est pas mal. Complètement. On l'a pas exploré ici, je suppose. Ouais, non, il y avait juste une toute petite cavité. Avec un coffre dedans.
et qu'il y a un autre nuage en bouteille, je prends... Ah bah toi, t'as déjà dû passer par là, parce que moi, je l'avais pas découvert ici. Ah si, peut-être une partie. De quoi ? Avec les torches et tout, mais moi, j'étais pas allé là. Ah, par contre, il y a un passage ici. Je sais pas où t'es. Non, hein, chez moi, c'est noir. Hein. Ah non, ah, c'est... Voilà. Mais là, en tout cas, j'ai pas découvert. Ah, le limon, c'est ce qu'on peut utiliser dans la machine, hein. Ouais. Et c'est pas de la boue, en fait, que tu peux utiliser, c'est l'espèce de... Il y a notre... Il y a une seule. C'est... l'espèce de limon, je me souviens plus, c'est quoi le nom ? De la glace. En français, c'est du granité, le nom. Mais je sais plus c'est quoi en anglais. Chief m'a dit que c'était du granité, donc ça doit être du granité. Un autre corps ici. J'ai un miroir. Ouais. Allez, un œil de Cthulhu. Oulala. Je fais attention. Je prends la statue du roi là, ou je sais plus ce qu'elle fait. La statue du roi ? Ah, j'ai un cœur ici. Ah bah prends-le. Tu te souviens de quoi ? La statue du roi, tu te souviens ce qu'elle fait ? Statue du roi. C'est pas celle qui permet de TP les PNJ hommes ou je sais pas quoi ? Ouais, c'est intéressant quoi. Enfin, ça peut être intéressant. Oui. Vas-y, bah, je la prends, attends. J'ai encore un coffre ici avec encore des bottes d'Hermès. Mais lol. Merde. Je vire quoi, moi, je vire quoi. Du coup, j'aime pas manger si j'ai marshmallow, en fait. Lol. Bloc de bouffe, je m'en fous. Je prends le PO, et je prends le coffre. Alors, je vais descendre un petit peu ici. J'ai encore un cœur. Ah, bah, il sera pour moi, celui-là. T'as combien de vie, là ? 320. Non, bah, comme moi. Ah bah, prends, là. Bon bah en fait on va peut-être si on chope les cures à ce rythme là c'est plutôt bonheur. Je vais essayer de les passer plus avec l'épée comme elle fait un peu de lumière. Ce serait plus judicieux. Oh là là le con. Ah il a chute. Je refais les pattes. Est-ce que je peux me refaire de merde, j'ai plus de bois en fait. J'aurais dû en garder un petit peu. Bah il y a bien des arbres hein, au pire. Oui c'est vrai. Je devrais péter un petit peu. Alors est-ce que je peux passer quelque part là ? Parce que je sais qu'il y a une cavité sur la droite, mais ça continue en dessous en fait. Sinon j'ai un magnifique bâton de mineur. Que je vais jeter un peu partout. Histoire qu'il sert. Ah il y a une grosse cavité en bas. Est-ce que je pourrais y aller sans péter quoi que ce soit ? J'ai un coffre. Avec un magnifique boomerang enchanté. Un quoi ? Un magnifique boomerang enchanté. J'ai déjà un flare gun, mais je crois que je vais le garder pour le revendre. Je sais pas si ça vaut beaucoup, mais... Un PO... Des torches, voilà. Ça règle un peu le souci. Je vire quoi ? Les flares, ça va pas coûter beaucoup. Je pense. Du coup, je vais utiliser un petit peu mes torches. Moi, bon, là, je vais où j'ai déjà exploré, donc c'est pas forcément très utile pour moi. Elle est en dessous. Ouah, la masse de piranha là. Ouais, bah, l'eau elle va couler en dessous. Hop. Oulala, il y a trois maniteur. Vas-y, venez vous la mettre. Ah, il y a un water chest. C'est killer. Aïe, 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 ça pique quand même. Ouais, 2 PO, bam.
ça je garde quand même. Ça peut être utile. Ah, le tour d'araignée. Eh ben y'a du monde là. Là où je me trouve là. Coup, tu veux un trident? Non, ça va. Ah, je vois un cœur de là où je suis. Je dirais même j'en vois encore un en dessous. T'es sérieux? Mmh, ouais. Du coup, je vais aller chercher tout ça. Et... Tac, alors je... Bon, faut que je fasse le tri, là, y'en a marre. La zombie banner, on a un autre jeu. Qu'est-ce que... Je m'en fous de la potion. Ah, je suis en train de mourir comment, là, en fait. Pourquoi je perds un dégât, là? Qu'est-ce qui se passe? Aïe. Je perds un... Je vais t'empoisonner, tous les coups. Ouais, exact. C'est le bruit. En même temps, il y a tellement de... Il y a beaucoup de guêpes qui me tirent dessus. Un peu délicat. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'aller dans l'eau là? Putain, c'est profond. Oh là là, j'aurais jamais dû aller là-dedans. Oh là là, vite remonte. Tu regrettes? Non, c'est bon. Je pensais regretter, mais en fait... Je suis bien content d'avoir le bracelet de régène. Tellement utile. Je vois pas tant la différence. Hein. Bah ça t'enclenche la régène tout le temps en fait. Donc, t'as tout le temps un petit peu de régène. Oh putain vas-y, j'avais oublié ce con. Bon j'ai le chapeau d'Indiana Jones. Je suis refait. Quelque chose. Ah, j'ai une table en bois. Désolé, la table en bois. Mais... Il y a un de nous deux qui doit. Voilà. Un petit peu de torche. Ah, je vois rien là. Si c'est bien. Ah, j'ai une ruche ici. Sérieux? Ouais. On va pouvoir se refaire. J'aime cette sec de la veille. T'as combien de vie là? 320? J'en bouffe un et je vais t'en passer un. D'accord. Du coup, il m'en manque plus que deux, moi. Donc toi, il va t'en manquer trois. Chercher là où t'as pas exploré. Mais... Ouais, j'ai déjà fait. Bon, par contre, la ruche là est un petit peu dans l'eau. Je vais essayer de faire un passage de venir à ce qu'on l'inonde pas, parce que ça serait un petit peu con quand même. Ouais, ça va être un petit peu chaud. Surtout que j'ai pas tardé à commencer à crever. Quoi ça? Statue du faucheur. Putain allez mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas monter? Ah d'accord, ok. C'est bon. Ouah. Ah j'ai trouvé la ruche. Putain. Qu'est-ce qui me bloque là? Ah d'accord, ça fait des honey blocks avec l'eau là. Alors là, t'es sérieux là. Merde, non, c'est pas ça. Est-ce que je peux mettre des blocs particuliers, genre des blocs de pierre, pour éviter que cette foutue eau se propage là. C'est quand même un petit peu pet de couille. Ouais, je vais faire un truc, je vais faire ça. Parce que là il y a une eau qui se transforme, ça fait des blocs, c'est super lourd. Ah, j'ai une idée. Je vais faire ça. Je vais mettre un truc ici, comme ça tu vas pouvoir monter. C'est bon. Fou ce bordel. On l'a fait à l'arrache dans le truc là.
ma ruche. Bah attends, j'essaie de... Ah, tu veux peut-être le cuire. Hop. Ah, oui. C'est bon ? Attends, je reviens vite fait. Ouais, c'est bon. Ah, est-ce que je peux l'attaquer avec son propre gun ? Ah, ça a pas l'air très efficace par contre. Attends, bah vu qu'elle est pas là... On peut plus la bloquer comme tout à l'heure quoi. Merde, du coup j'ai plus mon... J'ai plus mon chargeur. Elle fait aucun dommage. Je vais me blinder dans le... Voilà, histoire d'avoir la régène. Ça y est, elle est plus bloquée. Ah. Alors là, dans quoi? Alors, bah tu m'excuses, hein, mais ça je prends. Ah. Qu'est-ce qu'elle a drop? Elle a drop des binades. 14 dégâts de distance. explose en un essaim d'abeilles. Tiens, elle a drop ça. Bottle de nid. Et... Redonne 80 de vie. Ouais. Dis-toi, je suis parti avec 0 gold sur moi. J'ai déjà 28 gold là. Mais lol. Comment t'as fait? Je comprends pas. Bah. Ah bah, d'accord. Oui, il y a les billes. L'argent du boss. Aïe. Tac, bah du coup, on se refait. On se finit un petit peu l'expression. Ah, la drop ça aussi. T'es quoi? Une épée? Une épée. Oh. Ouais. Beekeeper, invoque abeille tueuse après avoir frappé votre ennemi, petite chance de causer de la confusion. 23 dégâts de mêlée. Vitesse rapide. J'ai envie de la tester. C'est pas énormément puissant, mais par contre la confusion, c'est cool ça. Le fait que ça lâche. Ah, j'ai drop un hook. Je passe derrière toi dans la flotte, bam, crochet. Tac, il y a de la cavité à gauche que j'ai pas pu accéder, j'ai pas accédé, ouais, je la vois. Aïe 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 aïe. Du limon, du limon. Eh mais il y a de la flotte. Bah tu vois, il y a beaucoup de flotte. Ça doit être là où j'étais en fait. Il y a beaucoup de... Ah mais en fait on peut peut-être remonter là. Ça nous ferait gagner du temps. Exact. Bam. Par contre elle est courte l'épée quoi. Ah la blinde de limon là. Le hook je le jette, j'en ai 5. Ça par contre c'est pour Bibi. C'est comme ça que je creuse, mec. C'est une possibilité aussi. Fais gaffe, fais gaffe. Ouh, carrément. Bim. Bim. Déjà. Ah bah du coup, on a une cavité en dessous. Le bloc debout, 100, bam. Carrément. Tu prends le limon. Je peux, pourquoi c'est... Attends, il y a deux blocs là. Il y a un truc à gauche là. Oh, ça va être un petit machin. Il y a un truc en dessous. Alors, est-ce que je vais arriver à y accéder à partir d'ici? Ça monte encore, ça serait top. Et ben c'est pas un si petit truc que ça, mine de rien.
Qu'est-ce que c'est qui est par terre? C'est quoi la cage? Ah, ce sera pas de l'améthyste. Attends, voilà. Hein? Ah merde, c'est pas la même potion. Fuck. Et bah, ouais, je sais pas quoi dire. Donc... Bon, tant pis pour les gommes de la jungle. Qui sera à quoi les graines de la jungle? Ça veut pour mettre. Enfin, pour transformer de. Des blocs normaux en blocs de la jungle, je ne sais quoi. Choper de la merde. Merci de mourir. Ah, il y a de la lave là, ce niveau, je crois qu'on est pas mal descendu. Ce coffre, mystère, mystère. La merde. Bonne question. On va savoir ça dans très peu de temps. Juste sachant que je suis presque. Ah. Alors, il y a une... Ouah, une griffe sauvage défensive qui rajoute 4% de défense. Bon bah, je vais pouvoir changer ma manie pour avoir de la vitesse de mêlée en plus, quoi. Boum. Attends, encore une... Ah bah oui. Tu veux ma manie qui booste à fond la def ou pas? Bah, la mienne, elle donne 5 de def. Ah ok, ah ouais, encore mieux que la mienne. Bon. J'aimerais bien la revendre, par contre, parce que ça va sûrement donner un peu d'argent, vu qu'elle est pas mal boostée. Par contre, je sais pas quoi virer là. Putain, mec, j'ai encore un miroir, quoi. Bon, tant pis pour les vignes. 2 PO. Oh, la maxi de marché. Il doit bien y avoir un petit truc là-dedans, quand même. Avec tout cet espace. Alors, il y a un petit truc là. Bon, bah, c'est cool. Si je tape plus vite. Ah, j'ai trouvé un cœur. Aussi avec le piège. Ah, nice. Du coup, il va nous en manquer deux chacun. Et on sera full. Méga full. Genre full de chez full. Ouais, ouais. Les guêpes qui suicident, c'est parfait. Les spores que j'ai en 40 millions d'exemplaires. Merde, je pensais que c'était plus gros que ça. Là. La petite caverne que j'avais chopée. Attends, je vais péter ce truc là. Ah, attends. Oh, oh. Une caverne en cache une autre. Les couilles, je vais remonter parce que de toute façon je vais être assez proche de. Je brûle. Alors, où est-ce qui serait intéressant que j'aille? J'étais pas là. Hein. Voilà. J'étais plus ici, moi. Visiblement, il en manque un. Est-ce qu'il manquerait un petit peu à gauche? Ah, c'est parce que toi tu y es. Faut que tu y ailles. T'as fait en haut et tout là. Encore un
encore un coffre. Le miroir magique, ça se revend bien, je crois. Ah ouais? Je sais plus. Je ne suis plus très sûr. Bon, tant pis pour les... Putain, mais l'abeille, là, je sais pas où elle est, même. Qu'est-ce que les couilles? T'as tout exploré ici, ou... Ah non, il y a un coffre, là, mais je me fais enculer. Tiens, deux PO. Encore un nuage en bouteille, je peux pas le prendre, je suis fou. Il y a un cœur, là. Ah oh, putain. Putain, mec, j'ai trois dons de la nature, quoi. Tac, du coup, il manque plus qu'un seul. Tu vois qu'il était juste était bien, mon truc. Ton coin, là. C'est du limon, ça. Non, ça fait un truc. Donc évite un. Cœur. C'est des bons. Ouais, il nous en manque plus qu'un chacun. Ça, c'est un... Ah bah c'est cool. Peut-être penser à arrêter l'épisode aussi. Ouais, ce serait bien qu'on arrive à finir de choper les cœurs en fait. Ce serait parfait. Ouais, mais là en trouver deux encore, je pense que faut pas trop abuser quoi. Bon. On a pas mal à explorer, je trouve. T'as pas été là hein. Attends, je vais explorer ici. Ici. En bas à gauche, je crois, il y a... Je sais pas si ça continue ou pas. Mais... Merde, putain, je suis en train de mettre des torches partout. Ah oh merde, j'ai plus de torches. Hein. J'ai un petit coffre. Avec encore un miroir magique. Donc je vais prendre les... Merde. Bon, allez, je suis tant pis. Là, je suis en train de les PO, j'ai une potion d'épine. C'est avec 4% de vitesse de mêlée. Je suis dans la merde. Je suis dans le caca. Tant pis, je vais tous les jeter. Il y a une statuette de goldfish. Trop vite, je connais des goldfish. Mais je sais plus à quoi il sert pour les potions quoi. Ah, j'ai retrouvé un cœur. Ah, ils ont deux cœurs. Deux ? Ah bah c'est bon, on a ouais, le tout alors. L'un à côté de l'autre. C'est parfait. Bam, 400 de vie. Si tu peux me passer le dernier. Non. Ou si je te rejoins quoi. Non. Tu l'auras pas. Si. Tout ça, moi j'allais toujours dans les petits coins, c'est-à-dire les petits coins, ça débouche toujours sur des espèces de tunnels étroits et tout, et après ça débouche sur des cavités où bah, y a énormément de trucs. J'arrive. Va te faire foutre. C'est que c'est. Ah, y a un autre cœur là. Alors, faut que je dise quelque chose. Probablement. Yeah, 400 de vie. Ouais, je peux faire ça maintenant. Ouais. Bon bah c'est cool. On fait quoi? On finit d'explorer vite fait s'il y a quelque chose ou... Ouais, bah ouais. Ouais. Bah attends, de toute façon, il y a une petite qualité encore en bas et... Je pense pas qu'il y aura des masses de trucs non plus. Ah non, on aura bien torché la jungle. Ah ouais, c'est pire que torché. Mmh. Oh merde. Ah bah... Ta santé quand même. J'ai pas du tout fait gaffe. Ça va, j'ai pas perdu 10 PO quoi. Effectivement. Bon, à cadeau Mathieu. Je vais te le redonner.
Bon, bah, y avait rien. Hop. Y'a un putain de chaman dans ta maison! Tac. Merci. J'entends mourir, hein. C'est qui ça? Xirigue. C'est utilisé pour fabriquer des flacons. Le sorcier. De... What? De imbuement d'armes. D'imbuement d'armes, ça veut dire qu'on peut mettre des trucs sur des armes. Blowgun. Permet la collecte de semences pour munitions. Bon, bah je crois que je vais claquer mes 10 heures là-dedans, hein. Bah attends, vu que j'ai plus de thunes, je vais prendre. Je vais prendre l'Ibuman Station. Je vais voir pour Reforge ma grosse arme. Putain, j'ai encore tapé sur la torche, comme. Qu'est-ce que tu fous de mettre là à chaque fois, espèce d'idiot. J'ai... Oh, putain, de... Ah, j'en ai un désagréable. Bon, allez, je tente. Il y a quelque chose dans ce coffre. Ah, allez. J'en ai une supérieure. Pour... Je vais la garder comme ça, je pense. Pourquoi t'as pété le... Ah oui, tu voulais mettre le truc là. Il faut des flacons ou je sais pas quoi, non? Attends, c'est quoi? Je crée une teinture verte. Oh, je m'en branle. Si je vais prendre de la thune, histoire de reforge. Qu'est-ce que je fais? C'était combien la fin? Allez, 15 devant, c'est pas bien, je reforge pas ça. Moi. Le bouclier est déjà très bien. L'anneau de régène, est-ce qu'il coûte beaucoup? Ouais, il coûte beaucoup quand même. Régène. Fils d'été, bon. Ah bah c'est bon, j'ai un nuage en bouteille défensif. Bam, plus 4 de DF. Non, je veux pas des trucs négatifs, moi. Oh. Et du coup, je vais pouvoir revendre les trucs que j'ai en trop. Ah, je sais pas si je me contente de 5% de dégâts et 15 de recul. Ou si je tente, quoi. Ça vaut juste 3 d'argent, du coup, regardez ça. Bon, allez, je tente. Ouais, le miroir magique, c'est un PO. Eh ben. Qu'est-ce que don de la nature? C'est quoi la vélocité, mec? La vitesse des balles? Bah non, sur une épée. Ah. Parce que là, j'ai c'est... 5 de dégâts, enfin, pourcent, moins 15 de vélocité, plus 10% de taille et plus 10% de recul. De quoi t'as... C'est sur Fils de Ténèbres que t'as ça? Ah ouais. Et c'est quoi le... 5 de dégâts, 10 de taille, 10 de recul et moins 15 en vélocité. Ah, ok. Attends, je vais chercher. Vélocité. Ça sert à rien. En anglais, je pense que ce serait plus parlant. Non, c'est bon. J'ai trouvé sur le 15-18. Nul. C'est juste que la recul, bah, passe en anglais, une terrasse. Merde. Ah, faut que je me vide. Avant. La vélocité correspond à la vitesse d'exécution de ton attaque. Mais il est pas sûr. S'il est pas sûr. Comment on fait alors? Comment on fait? Je pense qu'il a essayé de régler ton épée. Ah, c'est des barres de platinium que j'ai. Velocity Terrain. Je vais chercher comme ça. Alors. J'ai chopé des trucs. Ranged for what is velocity? Je vais regarder sur Lucky, apparemment il y a un poste. Velocity is the speed of a projectile. Enfin, on s'en branle. Mais D'ailleurs, a scenario will hit your target. Ok, j'ai compris. T'avais dit quoi, toi, la vitesse des balles? Ouais. Ouais, bah c'est ça, quoi. Mais sur une épée, ça doit être. Ah putain, tu m'aurais pas passé ton truc là? Si, my Night Edge. Moi je l'ai en 10 dégâts, 3 critiques et 10 recul. J'hésite à reforge encore quoi. Moi je vais pas tenter parce que j'ai pas assez d'argent pour me permettre ça. Bah oui, donc allez, hop. Vite, que je mette les potions. 3, 4, 5 de dégâts, 15 de recul. 4, 14 de dégâts, 5% de critique. Je vais m'arrêter là, je crois. Et on a pas mal de potions de spéléologue. Ouais, bah ouais. Je vais revendre tout mon bordel, tu sais. Genre tous les trucs que j'ai en double et tout. Genre les nuages en bouteille, les manilles et tout.
Et je vais voir si je peux reforge encore. Qu'est-ce que je fais? Tradité, je vais rendre le flare gun. Manil violent, je vais la vendre. Oh, le flare gun il coûte un PO quand même. Ah ouais? Mine de rien. Mine de rien. Attends, je vais mettre tous les trucs liés à Oni et tout le bordel. Parce que ça m'énerve. Et juste ça. J'ai de quoi invoquer deux yeux. Non, mais t'es obligé d'élire domicile ici, toi? Tu vas seulement pas me deux yeux. Bonjour, monsieur. Tu iras ici. Merci. Au revoir. Bordel. Ouais, des lignes. Putain, j'avais. J'avais 3 suspicious looking eyes, je sais pas où ils sont basés. Ouais. J'ai la haine. La question c'est. Si, faut que je dégage mes blocs de l'imam. Ah, c'est ça que je voulais essayer. Merde. J'ai tué quoi? Attends, je vais revendre tout ça. Tiens, le fakir. Comment il s'appelle? Bodachart. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu 3 saphirs, des minerais de fer, des lits d'or, c'est quoi ça? Putain, ça vaut cher les nuages en bouteille. Minerais d'or, minerais d'argent, j'ai eu 3 diamants, platine d'or, platine d'or. Eh, mais on n'a pas déjà un nuage en bouteille? J'ai eu de l'ambre. Hein? De quoi? Moi j'ai pas de nuage en bouteille, moi. Le nuage en bouteille. T'as pas le double saut? Ah non? Ah. Je me le disais aussi. Bah t'en avais chopé un tout à l'heure, c'est pour ça. Bah j'en ai 3 là. J'ai mes 2 nuages en bouteille et mon blizzard en bouteille. Mais le blizzard en bouteille, je vais pas l'utiliser. Ah bah garde-le, hein. Je vais le garder quand on sera en hard mode et tout. Wesh. Putain, mec, t'as vu la map? Regarde avec les attaques des gobelins et tout. Regarde tous les faisceaux que ça fait. Sous la maison. Putain, ouais. On se fait que ça fait ça. Je sais pas. Qu'est-ce que je peux. Je m'en branle un peu du double saut en fait, hein, moi perso. Bah, ça sert tout... ça fait toujours un petit truc en plus, quoi. Quand on aura les ailes, ça sera moins important, c'est sûr. Oh, dehors. Parce que là, il me fait plus 1 de vitesse de déplacement. J'ai 12 PO, est-ce que je tente quelque chose? Tente! C'est fait pour ça! J'ai un fils des ténèbres démoniaques. 14 de dégâts, 5 de critique. Oh, je préfère ça à la limite. Ouais, j'ai le même 14. Et bah, c'est très bien. 48 de dégâts avec 9 de critique, c'est plutôt pas mal. Et je pense qu'on va arrêter l'épisode là et qu'on fera nos petites affaires. Ouais. Du coup, on pourra redescendre après dans l'Underway. World. Ouais. Tac, bah écoutez, merci d'avoir suivi cet épisode. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Et on se retrouvera pour la prochaine. Allez, salut. Bye.